Eh bien, salut à tous les amis, en tout cas j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 11 de notre aventure, de notre let's play sur Supermarket Simulator. En tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Alors, je fais cette vidéo juste après l'épisode 10 parce que j'avais vraiment envie de continuer. Et je vous avoue qu'il y a des moments, j'ai envie de continuer tellement les enchaîner les vidéos, quoi. Parce que c'est franchement là pour l'instant, je suis en mode kiff. Voilà, du coup, j'avais pas envie d'arrêter. C'est pour ça que du coup, je renchaîne la vidéo. On avait acheté notre nouvelle licence, du coup, pour de nouveaux produits. Par contre, là, le problème, c'est que là, il nous faudrait déjà un nouveau frigo qu'on pourrait mettre ici. Pour les deux produits, pour deux produits en plus. Là, justement, dans le frigo, faudrait racheter un frigo. On va le faire en cours de journée. Et puis aussi remplir, bien sûr, les étagères. C'est tout à fait normal. On va remplir les étagères parce que là, ça va partir, mais d'une vitesse. Pas possible. Là, au niveau produit, je pense qu'on est plutôt pas mal. Il nous faudrait quand même acheter quelques petits trucs, hein, mais pour l'instant, on est plutôt pas mal. On va laisser comme ça pour le moment. Et en cours de journée, on va essayer d'acheter au moins un frigo pour justement mettre les deux produits à part. Et on va racheter bien sûr les produits pour les remplir les étagères au maximum. Là actuellement, je pense qu'il nous faudrait un savon. Alors, on va mettre en compte. Alors, un savon. Un savon. Voilà. Ensuite. Une, deux, trois. Ensuite, trois sucres. Trois sucres. Ensuite, un thon. Là, on a combien? 500. Ah ouais, ça va être chaud. Ça va être limite, hein. Ça va être très limite. Bon, on va voir comment ça va se passer. Bonjour monsieur. Hop, carte bancaire 28 85. Ouais, ça va être très limite quand même, hein. Arrivé à 500, il nous faudra du lait. Ah, il nous faut quand même. Ah ouais, non, ouais, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Il nous faut de la farine rouge. Il nous faut pas mal de choses. Bon, on va essayer de gérer. On va essayer de gérer. Alors, l'objectif de cette vidéo, ça va être tout simplement de tenter. On va essayer de tenter d'agrandir le magasin. Ou alors, on peut essayer aussi d'agrandir le stockage. Alors, je ne sais pas encore ce qu'on va faire comme objectif, mais pour l'instant, moi j'aimerais agrandir le magasin, mais ça coûte super cher. Alors, je ne sais pas si on va réussir, hein. D'ailleurs, là, on a 300. On va essayer de gérer, hein. On va essayer de gérer. Centimes. Ouais, ça va être compliqué quand même, hein. Là, on a 510. Je vais rajouter. Alors, on va rajouter un pack de lait. Même deux packs, je crois. Pour l'instant, il n'y a encore aucun nouveau produit là que j'ai vu. Hop, on va rajouter un pack de lait et on va commander. Ok. Hop. Ah, il y a un miel qui a été acheté. Cool.
Hop, le ton. Pour l'instant, je vais les mettre là. Dessus. J'arrive, j'arrive. En carte bancaire 2307. Trente-quatre, quatre-vingt-six, deux, quinze, cinquante-six, quarante-sept, dix-neuf. 81 Parfait. Alors, on va continuer à recharger un peu. Pardon. Alors, niveau miel, c'est bon. On a rempli l'étagère, ça c'est plutôt cool. Le sucre, on va pouvoir le remplir également. Et encore du sucre. Là, on va acheter l'étagère, le frigo. On va acheter tout de suite le frigo. Va être bien comme ça. Va allumer la lumière. On va acheter le frigo tout de suite. Alors, le frigo, fourniture, frigo double. Et on va l'acheter. Hop. Ah, il faudrait bouger un peu les étagères. Bon, après, c'est pas très grave, on peut le laisser comme ça. On améliorera ce qu'il faut. Alors, on va acheter la mozza. Ok. Vite. Parmesan, on va acheter hop 22 ah. Comme ça, c'est cool. Hop. Voilà, comme ça c'est cool, on a ce qu'il faut. Hop. 70. 22. Waouh. Ah, la queue qu'il y a, lui. Ah ouais. Alors, il faudrait aussi alors racheter des pâtes, de la farine, du chocolat, des bonbons. Ouais, il faut racheter vraiment pas mal de choses. Dans le stockage, on a des œufs. Parfait. 36, 89. Soixante douze. 1 centime. Parfait. Allez, on va vider un peu le stockage également. Le jus de pomme. Et enfin, le comté.
Voilà, le stockage est vidé. Il nous reste quoi? 1300. On va attendre de voir. 1350. Allez, on ferme le magasin. On a 38 clients satisfaits. Oh, 5 produits trop chers à chaque fois. Il faudrait peut-être baisser un petit peu la marge. Mais bon, on va essayer de voir ça. Alors, le jus de pomme qui baisse. Alors, 2. 10. Oh, les œufs par contre sont partis. Il faudra racheter des œufs. Alors, on va racheter. Du coup, il me faudrait deux mozza, deux parmesan, trois œufs. Alors, au niveau du sucre. C'est cool. Au niveau du matériel, c'est cool. Il faudra du papier chiottes. Non, un paquet. Ouais, non, deux paquets, c'est bien. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'être? Deux javel. Ah, on est full. Ok, on va commander déjà ça. Hop, un javel. Deux produits nettoyants. Un clean dish. Ouais, deux cafés. Alors, deux cafés. Un spaghetti. Un spaghetti, de bonbons. Hop, la farine rouge. Deux. Max, on va acheter ça déjà. Là. Un sucre, un sucre, un huile. Alors, un sucre. Huile. Un pain, un céréale. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Un chocolat. Un chocolat, un lait. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Ah, les œufs. Les œufs, je sais pas si je les ai achetés, les œufs. Crois pas que je les ai achetés, hein. Si, je les ai achetés. Ouais, si, c'est bon. Je les ai achetés. Des pâtes. Pâtes. Le paquet de pâtes. Et on en commande. Ok. Là, normalement, on a tout ce qu'il faut. Hop, allez, on recharge un peu tout ça. Parfait. Là, les œufs, on est bon.
papier toilette. Bon, je pense qu'on va pouvoir enfin ouvrir. Et on va continuer. Parce que là, actuellement, comme je vous avais dit, hein, c'est pas intéressant de voir que ça, le remplissage. Du coup, on ouvre entre deux. On fait tout en même temps. Alors, du clinage. Hop. Et parfait. Hop. Et bon, bon. Là. Cool. Le champ. Voilà. Le shampoing est trop cher. Ah bah oui. Ah oui, le shampoing est trop cher. On va le mettre à 6, 6,05. Ah bah. Merci. Allez, on va faire appel à la caisse. Alors, 12, 50. Ok, allez, on continue. J'arrive, j'arrive. Alors, les spaghettis. Là, je pense qu'on est plutôt bon niveau stock. Ouais, ça a l'air d'être bon niveau stock là actuellement. Quatorze 70. Ok, alors niveau stock, du coup, il nous faudrait quoi? Un pâte, ouais, un pâte. Alors, un pâte, un pâte, un mozza, un papier chiotte. Alors, un pâte. Un papier chiotte, un mozza. On sait. Attends. Quarante. Seize. Ok, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Franchement, là pour l'instant c'est cool. C'est pas une journée de folie. Là c'est plutôt pas mal. Faudra acheter un eau, un lait, un pomme, un orange.
Alors, 22, 30. On va acheter ça tout de suite. Alors, un eau, un lait, un pomme, un orange. Sprite également. Un coca. Et un soda. C'est ça. Allez, on va déjà commencer à remplir un peu. Nickel. Hop, on va faire la caisse. 59. Soixante-douze, quarante. Soixante-huit. On est cool, on est cool. On a 1800. On a 1800 $, c'est plutôt pas mal. Franchement, là, pas important. Pensais que ça allait être plus la galère, mais non, ça va encore. Allez, on reste encore. On va le laisser là. Et je pense que c'est le dernier client. Parfait. On a 2067. Les rayons sont pratiquement toutes, bah, sont pratiquement bien restockés. On a du rap, ça va encore. Mais bon, faudra refaire quelques commandes quand même. Du lait, du riz, tapis, ouais. Et on fait un peu de tout, mais bon. Ça devrait le faire. Un miel, un sucre également, papier toilette comme d'hab. Ok, 41 clients. Ok, deux produits trop chers. On en bénéficie de 945. On est cool. Alors, beurre de cacahuète, farine. Alors, on va le mettre à 3,15. Alors, beurre de cacahuète, 5. 15. Alors, il nous faut déjà, on va acheter un plafonnier. On va acheter du coup les trucs de base. Alors, il nous faut un sucre, un miel. Là, dans le fond, un sucre, un miel. Il nous faut deux parmesans.
Il nous faut un mozza. Hop, petit shot. 4. Ouais, ça doit faire. Il nous faut un ton. Un ton. Il nous faudrait un œuf, ça serait bien. On commande. Là, je commande les plus importants, surtout. Alors là, là c'est cool. Peut-être un javel. Un javel, deux jus verts. Peut-être deux packs de lait. Ensuite, peut-être un pâte. Alors, un pâte de riz. Un céréal. Un céréal, un sel. Je pense que c'est bon. Hein. Alors, les céréales. Hop. Et un petit dernier, allez, un petit dernier. Qu'est-ce qui te parle plus? Dernier. Un jeune. Voilà. Hop, on va commander ça. On va déjà mettre. Alors, j'ai le plat fumier, mais au final, c'est pas le plat fumier. Oh, il est là, ouais. Allez, on va le mettre ça tout de suite. On va le mettre au milieu en attendant. Allez, on ouvre. Et on recharge. Normalement, ça devrait le faire. Là, on devrait se faire à peu près dans les 3 voire 4 000, si tout va bien. Et après, je pense que si on gère comme il faut, il y a moyen qu'on agrandisse le magasin. Et ça coûte super cher, c'est hallucinant. Et hop, ça c'est cool. J'arrive, j'arrive. Allez, on reste encore. Okay. Hop, et le petit dernier. On est bien, on est bien, on est bien. Oh, belle commande. Alors, et 4. Okay. Alors, 49, 60. Allez, au suivant. 47, 45.
Parfait. Alors, pour l'instant, tout se passe bien. Le pain, faudrait peut-être en acheter. Peut-être 2 pains. 2 pains, un papier chiotte. Allez. Cousin. Oh, j'aurais dû rajouter du clean dish, mais c'est super cher. Non, t'as qu'à prendre 50 paquets de pâtes aussi. Ah ouais, là, non, c'est... Waouh. Oh, le clean dish, par contre, ça part tellement vite. Acheter un. Super cher aussi. Oh, 59 $. Au niveau du lait, ça va. Pense qu'on peut finir la journée avec ce qu'on a. Je pense. Hein. Là, on va juste rajouter ça parce que ça coûte super cher, mais ça se revend cher aussi. Ou là-dessus, ça va. Je suis quand même en bénéfice. Ouais, il y a moyen qu'on termine la journée avec ce qu'on a. Un javel, il faudrait un javel, un eau, un lait, un pomme. Alors. Un javel. Orange. Oh. Et. Ultra également. Un céréal. Un pâte. Alors, un pâte, un chocolat. Ouais, il faut tout en fait. Yaourt également. Allez, on commande ça. Alors, 8. De toute façon, il faut toujours commander. Tous les jours, il y a toujours quelque chose à commander. Ok, là c'est cool. Passons. Passons. Quarante-six. Trois.
10, 30. Ouais, c'est cool. On va continuer. Le chocolat. Ah, il en reste en plus. Allez hop. Je vais faire comme la petite technique. Il reste encore deux clients. Ah, faudrait racheter un lait. Ah ouais, là du lait, ouais, il faudrait en racheter au moins un, voire deux même. Encore un Javel, du chocolat, ouais, il faut racheter tout. Ok, c'était la dernière. Allez, on peut fermer le magasin. 41 clients satisfaits. Yes. On a 1102 de bénéf. On a 3022 du coup. Le lait, pack de 6, alors j'ai vu. Après, je sais pas. Alors, 12, 15. Alors, c'était quoi? Alors. Le lait, café, le beurre de cacahuète, thé noir. Thé noir. 7, 5. Thé noir et beurre de cacahuète. 5. 85. Ouais. Oh, il n'y avait que ça. Alors, du coup, on a 3022. Il nous faudrait deux comtés. Alors deux comtés, un lait, un eau, un javel. Alors deux comtés. Un eau, un lait. Un javel. En point. En point. Une farine de chaque. Une farine de chaque. Ok. Et pour le dernier. Ah, ok. On va déjà. Hop. Oula, il en reste encore. Il en reste encore? Allez. Voilà. Hop, de l'eau. Voilà, allez, hop. On jette par-dessus. Voilà. Ça, c'était quoi le coca? Bon, allez, on va pouvoir ouvrir et enchaîner une journée. Nickel.
Ok, bah plutôt on est plutôt bien. Franchement, on est plutôt pas mal là. Peut-être un huile vert, peut-être un thé. Alors, peut-être un café également. Ça part vite. Après, c'est quoi qui part vite aussi? Là-bas, les gâteaux. Un céréal, un gâteau de chaque, plus un chocolat. Alors attendez, hop, un gâteau de chaque, un chocolat et un céréal. Peut-être un bonbon également. Alors 8, 9. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre de plus? Peut-être un spaghetti. Ouais, un spaghetti, ça peut être pas mal. Puis pour finir, on va prendre bah, du papier chiotte. Voilà. Hop, allez, on continue. Ah oui, heureusement, j'en ai pris du papier chiotte. Lui, il va me le dévalider. C'est la pénurie ou comment ça se passe? J'arrive, j'arrive. Va sortir un petit instant. J'arrive, j'arrive. Soixante-deux, vingt. J'arrive. Et le dernier carton. Alors, 17. 5. Belle commande en tout cas. Ça c'est plutôt pas mal. 20 centimes. 63. 81 centimes. Merci. 36. 60. Ok. Alors qu'est-ce que ça donne? Ouais. Oh, le papier chiotte. Deux paquets de papier chiotte. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, c'est trop cher. 80, 99, allez. Regarde un peu ce que je peux prendre en plus. Des pâtes, farine bleue. Okay. Pâtes, farine bleue, thon, œuf. Alors. Des pâtes. Farine bleue. Œuf. Thank you.
50. 300. Ton œuf là-bas. Et t'as les 1 miel à sucre. Hop, allez, on commande. Oh, papier chiotte, vite. Papier chiotte. Hop, avant qu'il n'y avait plus tout. De 25 7. $4,60. Par contre, tout ce que je commande en plus ou quoi, de toute façon, c'est pas perdu, hein. C'est toujours ça va partir comme des petits pains dans tous les cas. Il y a un truc qui est encore trop cher, c'est quoi? Je comprends pas, là. Il y a un truc qui est encore trop cher. Ah, ça va, c'est quoi? Trop bizarre. Faudrait que je revoie un peu les prix où il y a un truc que j'ai pas vu. Et pourtant, à chaque fois, je change les bons prix. C'est ça qui me donne. Deux. Bon. Ok. Un truc. Il devrait mettre un récap par exemple des clients qui sont insatisfaits, qu'est-ce qu'il faut quoi en fait. Ça serait un truc qu'il faudrait qu'il rajoute. Hein. Juste un sorte de récapitulatif, voir par exemple si un produit trop cher, ben, c'est quoi le produit qui est trop cher quoi. Ça serait cool de voir ça en fait. Faudrait qu'ils mettent en place ce système-là, ça peut être sympa. Franchement, ça pourrait être sympa. Et là, il y a 4 produits trop chers, on sait pas c'est quoi. Allez, nouvelle journée, on a le lait, beurre de cacahuète, le thon et barre de chocolat. Alors, 3, 5, allez. Et 2, 45. Beurre de cacahuète. 5, 25. Et le thon. Thon, on va le mettre à 7, 7, 15. Ok. Du coup, allez, on va vider ça. Le thon. Le thon. On est plutôt pas mal. Voyons voir. On a 3945. Est-ce qu'on va voir un petit peu l'agrandissement? 4400. Bah, les amis, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que dans cet épisode, dans le prochain épisode, les amis, là, je vais refaire une journée en off. Et puis, je vais. Et puis, on va acheter l'agrandissement au prochain épisode. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On va agrandir une fois. Ce qui fait qu'on pourra. On va pouvoir gérer quelques trucs. On va faire ça dans le prochain épisode. Les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, bien sûr, hein, laissez votre meilleur like, les amis. Dans cet épisode, on n'a pas eu vraiment l'objectif qu'on souhaitait. Mais dans le prochain épisode, on pourra faire ça. L'agrandissement du magasin, ça va être pas mal.
Les amis, je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde.